C'est la première édition du Salon des élections 2017 qui est une initiative phare du Conseil électoral provisoire là, qui est accompagné de plusieurs partenaires dans le cadre d'activité ça, dont IFES, on est capable de dire qui sont un projet financé par USAID, qui accompagne nous avons le ministère de l'Intérieur, que nous avons invité tout pour les questions de collectivité territoriale, nous avons le ministère de la Jeunesse et des Sports, que nous avons invité dans le cadre d'initiative là, parce que demain, qui 24 là, consacré surtout à la jeunesse, aux universitaires, qui ont un mot par tout à dire dans le processus électoral là. Et son activité qui rentre dans le cadre de programme de mobilisation de l'électorat, de sensibilisation d'éducation civique, qui est lancé depuis hier. Côté ouverture, là, tu es faite, tu as des gens qui sont venus, et puis qui a continué journée aujourd'hui et qui a pris fin demain, 24 janvier. Parce que nous avons pensé, dans le cadre du programme, ça, qui est censé être une stratégie parmi tant d'autres que nous avons mis en place, tu as une nécessité pour le Conseil électoral, là, pour vraiment sensibiliser, mobiliser l'électorat, électeurs, électriciens, autour de l'importance, on est capable de dire, élection locale. Parce que nous connaissons en général en Haïti, culturellement, depuis l'élection présidentielle finie, c'est comme si on sentait bon, personne ne passe sous ça encore. Mais nous ne pouvons jamais suspendre. Et que l'élection locale, l'élection pour collectivité territoriale, ça ne relève pas les AZEC, délégués de ville, il y a autant d'importance que l'élection qui était faite le 20 novembre. Et c'est dans ce sens-là, nous avons profité. Encourager la population, électeurs, électriciens, pour les déplacer, même j'ai été fait, sinon encore plus que ça a été fait le 20 novembre, pour aller exercer les droits civiques, pour participer activement dans l'élection locale qui a fait dimanche. Et puis, nous avons tout songé, nous avons tout rappelé au public là tout, nous avons une élection pour 8 sénateurs, parce que nous avons 16 candidats qui sont dans la course là, pour 8 sénateurs que nous avons, qui sont pour la population choisie. Et puis tout, nous gagnons une élection qui n'est pas en fait, c'était au niveau de Ozo, particulièrement dans la section communale Foncochon, c'est pour députation qui a fait tout 29 janvier 2017. Il y a un suivi de constats suite à vous-même, vous êtes supposé faire dans le pays, puisque l'esprit nous démarche l'éducation civique. En principe, oui, Mabdou, sans hésiter, oui, il faut le faire au niveau de tout le pays. Hein. Mais malheureusement, dans le moment où nous devons prendre l'initiative, ça, faute de planification, nous ne pouvons pas étendre à tout le territoire. Là. Mais ça, on dit à correct, parce que nous avons parlé de collectivité territoriale, nous avons parlé d'élections locales, ça concerne tout le pays. Et là, c'est section communale. Et l'un des sections communales, ce n'est pas affaire de mon département, c'est vraiment côté que l'électorat va chercher élu, autorité locale qui va gagner pour prendre destiner section communale en main. Et c'est ça qui fait penser que c'est une élection que tout le monde doit participer. Comme nous dit dans ce portio-là, nous dit élection locale, développement local, parce que je pense que c'est le temps pour gagner l'autorité locale en place, pour gagner les structures qui pour faire question de décentralisation avancer, pour y en place. Côté que n'importe qui, pas n'importe qui débat, que n'importe qui, dans la section communale, vient implémenter projet, vient mettre projet en œuvre, sans que pour une population, pas des gens qui pour représenter, qui pour défendre l'intérêt. Et je pense que c'est ça porter en aucune élection comme ça. Bon, feedback là, il est très positif. Sinon, hier, nous connaissons dimanche, c'était assez timide. En fin de journée, bon, par rapport à ça, je demande aux organisateurs, ils ont dit, bon, il y a un pile, nous connaissons pratiquement y a plusieurs ateliers qui travaillent sur un pile thématique qui concerne l'élection locale, là, qui a parlé de participation des femmes, qui a parlé de participation jeune, les universitaires, dans la question électorale, là, nous avons des présentations, des discussions qui ont fait tout sur la question collectivité territoriale, là, parce que ce n'est pas tout le monde qui connaît l'importance AZEC. Kazek, délégué de ville, parce que Nabditou, c'est quand même des élections locales qui n'ont pas faites depuis 10 ans. Et je pense que de tout intérêt, pour tout citoyen, toute citoyenne, mettez tout poids dans la balance pour que l'élection soit encore une fois réussie. Quand le Jean-Ministre de Finance a toujours dit, c'est l'argent nous qui fait. Alors, il faut nous mettre ensemble pour le réussir, parce qu'il n'y a pas fait de CPA seulement qui a joué ou qui a piloté question, mais c'est un pays qui a réglé là.